pour donner un cachet particulier à l'accueil du président de transition, président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, à Fayal-Arjo, chef-lieu de la province du Borkou. La population est motivée et se prépare activement depuis plus d'une semaine. Des membres du gouvernement, notamment Tahir Hamid Ngili, du Finance et du Budget, Hissène Tahir Soghoumi, de l'Aviation Civile, les conseillers nationaux de transition, les cadres civils et militaires, les membres du mouvement patriotique du Sali, sont arrivés cet après-midi et accueillis à l'aéroport de Faya par le gouverneur de la province du Borkou, général Ali Maïde Kébir, et les différentes couches socio-professionnelles de la place. Face à la détermination et à la motivation des membres dans les différentes commissions mises sur pied, l'accueil doit être agréable à Fayal-Arjo. Ainsi, l'opérateur économique Idriss Toguy s'est marqué en contribuant tête de dromadaire aux étrangers venus pour la circonstance et réceptionnés par le gouverneur de la province du Borkou. On remercie beaucoup l'opérateur économique Idriss Toguy. Il nous a gratifié 40 têtes de chameau à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État. Donc on le remercie beaucoup. Depuis presque bientôt 10 jours pour accueillir le chef de l'État. Donc certainement demain va venir. Et toute la population de Borkou, en particulier ceux de Faya, vont sortir massivement pour accueillir nos hommes. Ils sont très motivés. On les remercie beaucoup, on les encourage demain à sortir massivement.